les amis, c'est Krim, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de l'Apocalypse Challenge. Donc je vais essayer de faire en sorte que cet épisode dure un peu plus de 10 minutes, hein, parce que je tâtonne encore un petit peu au niveau du montage, et du coup, des épisodes qui étaient censés durer une vingtaine de minutes, plus ça va, plus ils sont courts. Donc on va essayer de faire que celui-là soit un petit peu, enfin voilà, dans la norme de 15-20 minutes, ça serait pas mal. Avant toute chose, il faut que je vous confesse quelque chose. J'ai triché. Voilà, honte sur moi, sur 10 générations. J'ai triché. Mais comme j'en avais un petit peu marre qu'on confonde Angelo avec Juanito, avant de commencer la partie, je suis allée dans le CS et je lui ai changé sa coupe de cheveux parce que voilà, j'avais pas fait exprès. Enfin, j'avais pas fait attention quand je l'ai créé qu'il avait la même coupe de cheveux que Juanito, ce qui perturbe tout le monde. Donc normalement, on n'a pas le droit d'aller modifier l'apparence des Sims tant qu'on n'a pas levé une certaine restriction. Mais bon, vu que c'est mon Sims, que voilà, c'est juste une erreur à la création, je me suis permise de tricher, honte sur moi. Voilà, je sens que je vais en entendre parler par certaines personnes pendant un moment, mais voilà, il fallait bien que je trouve quelque chose pour le différencier. Donc, écoutez, je me suis dit que, comme il y avait le Pardia qui venait de sortir, une petite crête, c'était pas mal. Bon, là, il fait la gueule, mais sinon, je vous assure qu'il est toujours beau gosse. Voilà, donc, malgré la crête, il est toujours beau gosse, comme tout. Donc voilà, j'ai changé son apparence. Voilà, on peut dire que c'est de la triche, hein, mais j'en avais vraiment ras-le-bol. Donc voilà, je viens d'ouvrir ma partie. Donc il y a Katrina qui est là. Mais qu'est-ce que tu fous là, Katrina? On s'en fout, c'est pas toi qu'on veut. Rentre chez ta mère. Donc il y a Katrina qui est là. Il y a un monsieur très perturbé aussi. Et on est toujours à la recherche de ce PNJ mystérieux. Donc vous avez failli avoir son identité dans l'épisode précédent, mais j'ai gardé un peu le suspense. Du coup, on va vite essayer d'aller en ville pour retrouver un peu... essayer de voir si notre PNJ mystère est apparu, sinon... sinon, ben, on va devoir se rabattre sur quelqu'un d'autre. Bon, sachant qu'on n'est pas non plus hyper pressé, c'est un mec... on a le temps... Le seul truc qui me fait peur, c'est comme vous le savez, je suis un peu la reine des game over. Et je me dis que tant qu'il n'aura pas une femme et qu'elle ne sera pas enceinte, on n'est pas à l'abri de foirer le challenge. Voilà, bon, ceci étant dit, on va aller s'occuper un tout petit peu de ses besoins quand même. Et après, au niveau du travail, on est bien. Et après, on ira faire un petit tour en ville. Bon, je pense que de toutes les façons, pendant qu'il va s'occuper lui-même de ses besoins, moi, je vais aller faire un tour en ville. Bon, je suis allée faire un tour en ville, bien sûr, je n'ai trouvé personne d'intéressant, hein, ça aurait été trop beau. On va lui faire remonter son divertissement, et quand ce sera fait, on ira chercher quelques fruits. Et je retournerai en ville. Donc maintenant que c'est remonté le divertissement, tu vas aller ramasser quelques fruits. Et moi, je vais retourner faire un tour en ville. Je vous jure que si je lui tombe dessus, vous allez m'entendre hurler à la mort. Ce qui est quand même ouf dans l'histoire, c'est qu'on a quand même des mecs qui viennent de Sulani, quoi. On a des mecs de Sulani qui viennent à Strangerville, mais pas la PNJ que je cherche. C'est tout est normal. Bon, il y a toujours pas celle que je veux, bordel. Bon, je sais qu'on a le temps. Je suis pas hyper patiente comme fille, donc c'est clair que là, j'aimerais vraiment qu'on en finisse avec cette recherche de la PNJ idéale, là, parce que... Voilà. Puis bon, il est temps de faire des bébés, s'assurer du non-game over, enfin bref. Bon, on va continuer à s'occuper un peu de lui, parce qu'il est fatigué, tout ça. Et moi, je vais continuer à zioter le centre-ville. Allez, on va lui faire manger un peu de trucs périmés, puis on va l'envoyer au lit chez Kileto, mais il n'a pas beaucoup dormi à cause de moi. Et il s'avère que demain, il travaille. Non, Katrina, on va pas aller sur les falaises, non. Non, non, je t'assure que non. T'es beaucoup trop vieille pour moi. Donc pendant que je l'envoie faire tout ça, je vais aller faire un tour en ville. Manquerait plus que ça, qu'il soit crevé et que je trouve la PNJ. Non, eh ben, il y a toujours personne. Ben, il n'aura pas eu le temps d'arriver jusqu'à son lit, dis donc. Allez, courage, mon petit. Demain, tu travailles, une petite promotion. Ah, t'as pas rempli tes rapports. Ah, ben, c'est normal, j'ai pas d'ordinateur. C'est ballot. Non, mais quand il va se réveiller, il est assailli par les abeilles et attaqué par les araignées, quoi. Les deux, ça n'est pas possible. On ne peut pas. Oui, je sauvegarde. J'ai un peu peur. Non, mais il peut pas être attaqué par les deux, il va mourir. J'ai très très peur. On commence par les abeilles, très bien. Mais c'est pas vrai, en vrai, les abeilles, ça attaque pas. Cette arnaque, quoi. Bon, ça a l'air d'aller. Les araignées, non? Finalement, non. Bon, tant mieux. J'ai eu tellement peur qu'il meure. Ah ouais, tout est cassé là, c'est la misère. Bah avec les gremlins, il va finir avec 25 ans bricolage, le gars.
Oui, tu pues. Ça va aller mieux. Quand tu te laves les mains, c'est connu, ça désodorise les aisselles. Faut aller au travail, là, va au travail. Alors, le but, c'est de faire pause au moment où ils partent. Voilà, travailler dur. Normalement, on a la promo aujourd'hui, hein. Ah, bah tiens, on en parlait des factures. Donc, il va falloir que je paye les factures et que je mette mon argent à zéro. Hein, et pas gagné pour s'acheter un ordinateur, hein. Voilà, donc il vient de rentrer, pas de promo, bien sûr, ce sera pour demain. Il paye les factures, moi je remets à zéro, ce qui fait bien sûr qu'on va pas pouvoir se faire à manger avant demain, bien sûr. L'idéal aurait été qu'il soit à la maison, que je fasse à manger et que je paye les factures après. Mais non. Non, non, nous n'allons donc pas manger, enfin si, il reste les plats périmés, c'est très bien. On va l'envoyer manger et s'occuper un peu de sa maison. De toute façon, là, j'ai pas le choix de manger périmé, hein. Ah, il faut qu'il lise 3 livres pour son aspiration, ça peut être pas mal de le faire. Ça montrera son divertissement en plus, comme ça. Mais non, tu n'es pas tendu. Oh, non, on n'a pas le droit d'aller au bar marinage. C'est gentil de proposer, mais on n'a pas le droit. Et il va aller se coucher, il se lavera demain quand on aura nettoyé la plante. Allez, au dodo, Angelo. Demain, ça ira mieux. T'auras une promo. Allez, il est l'heure de se lever et de s'occuper un petit peu de toi-même. Donc, bah, allons réparer ce qui est cassé, comme d'hab. De toute façon, tu vas manger du périmé. On peut rien faire d'autre jusqu'à ce soir. Non, il faut absolument aller aux toilettes avant de manger, sinon il va se pisser dessus et on va galérer. Oui, t'as envie de faire pipi, je sais. J'ai vu. Voilà, fini de réparer parce qu'il faut te laver les mains. Ah, c'est déjà l'heure d'aller au boulot. Oula, ça craint. Il y va quand même bien dégueulasse, hein. Et promo directeur adjoint. C'est bon, ça. Au niveau du salaire, c'est pas mal. Les compétences, on est bien. Avec un peu de chance, on pourra peut-être se payer un ordinateur dimanche. On va l'envoyer un petit peu se laver, quand même. On se fait des fruits frais. On est des ouf. Allez, on fait des fruits frais. Allez, c'est pour fêter la promo, quand même. Voilà, j'ai enlevé le fruit de mon inventaire, donc il va pouvoir jeter tout ça et griller des fruits grillés. Alors, le look costard crête, je suis pas sûre d'avoir fait le bon choix. Mais je trouvais que la crête lui allait plutôt bien. J'avais pas réfléchi qu'il était employé de bureau. Mais bon, après tout, on est dans les Sims. Chacun se coiffe, s'habille et fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Il n'y a qu'à voir les fashion, faut pas des PNJ pour comprendre que on n'est pas une crête près. Donc voilà. Pourquoi tu peux pas jeter? T'as pas de poubelle? Mais une poubelle dehors au pire, bon je vais t'aider. Putain, même dans les Sims, c'est moi qui dois faire la vaisselle quoi. Allez, on va lui faire se laver les mains plusieurs fois. Et après, on l'enverra lire un livre pour le divertissement. Oh, il y a encore la végétation, bordel. J'aime bien le concept, mais est-ce qu'elle pourrait éviter de revenir toutes les 2 minutes quoi? Ça serait pas mal. Oh bah tiens, qui c'est que je trouve en faisant une inspection, dis donc? Donne. Là bien sûr, on serait une femme et on aurait besoin de Donne, on le trouverait pas. Mais là, qu'on n'en a pas besoin, Donne lui pop au milieu de Strangerville. Pof, pof, pof. Hein, pour aller draguer les militaires, ça, Donne, il est toujours au taquet. Mais j'en ai pas besoin dans cette partie. Je vous jure, il va me rendre ouf, ce jeu. Il va me rendre ouf. Allez, on repart avec Angelo. Du coup, après... Ouais, s'il lit 3 livres, il aura donc une récompense d'aspiration. Après, ceci dit, je crois qu'on n'a pas le droit d'utiliser les points pour acheter des trucs, donc... Ça a très très peu d'importance au final. Mais bon, ça occupe un peu. À défaut d'avoir une femme. Non, alors Katrina, tu me fatigues. Écoute ma chérie, pourquoi tu nous viens nous parler tout le temps? On n'est pas potes quand même. Bah non, on se connaît à peine. Bordel. Enfin, je veux dire, je t'ai déjà dit, t'es pas mon genre. Et puis t'es trop vieille. Déjà que celle que je veux, elle va finir par commencer... On va finir senior avant qu'on lui tombe dessus. Des chauves-souris, bien sûr. Je vais attendre qu'il ait fini, parce que vu qu'on met... Dès qu'on met une deuxième action, il en peut plus de la première, j'aimerais bien qu'il finisse de lire son livre avant d'aller au lit. Hein, il va être un peu fatigué demain, mais de toutes les façons, on n'aura pas de promo demain, donc... Il a quel niveau d'ailleurs? Il est au niveau 4, c'est pas mal quand même. On est presque à la moitié, voilà, étape terminée, très bien. On est presque à la moitié et il n'est pas encore adulte, donc ça c'est pas mal. Disons qu'on réussit mieux sa vie professionnelle que sa vie sentimentale. Et du coup, qu'est-ce qu'il va atteindre le niveau 4 d'une compétence? Oh, de 4 compétences. Ah ouais. Ouah, mais ça c'est easy, t'inquiète. Tiens, c'est étonnant, ils ont rien cassé cette nuit les Gremlins. Alors je sais, normalement on va d'abord aux toilettes, après on se lave les mains. Mais j'ai tellement peur qu'il y ait une plante qui pousse là que j'aime autant qu'il aille se laver les mains tout de suite. Et après, tu iras manger ta bouffe périmée, bien sûr. Okay, dans 1 heure, Angelo part travailler. Ah d'accord. Stop, stop, stop. Je peux lui partir travailler, moi, oh. Il se sauve comme ça. Non mais oh. Ah ça va, là, tu peux l'en accélérer maintenant.
Mais il n'a plus aucun respect ce jeu. Hein. Maintenant, t'as rien à foutre de ta gueule, il joue tout seul. Hein. Il te donne pas ce que tu veux, il fait ce qu'il veut. Du coup, je sais pas si on aura une promo demain. Bah, viens manger. Ouais, tu vas manger périmé. T'as pas eu de promo aussi, alors. Hein. On est d'accord que je fais que ça de cette série, chercher des PNJ. Je passe 80% de mon temps dans Strangerville à chasser le PNJ, quoi. Et toujours pour que dalle. Et un petit peu de logique. Pourquoi tu peux pas aller faire la logique? Ah, t'es très mal à l'aise. Bon, ça va passer quand, là, le moulette? Écoutez, ça m'apprendra à leur faire bouffer de la... ça m'apprendra à leur faire manger de la bouffe périmée. Bon, il a besoin de social, cet homme-là, donc on va aller faire un tour en ville, on sait jamais. Fais voir, toi, parce qu'à la limite, on te connaît pas encore. Ouais, non. Oh la vache. Non, bah, t'es bien habillé, mais ça donne pas envie, chérie, hein. En plus, avec 9 chances sur 10 pour que tu sois une sirène. Allez, va faire connaissance avec la demoiselle qui est super bien habillée pour le coup, mais qui est aimable comme une porte de prison. Voilà, regarde, elle t'attend. Bon, elle est tendue, hein. Ça se voyait un petit peu à la base, hein, mais après tout, tu vas la détendre, hein. Ce look qu'il a, là, en costard crête. Allez, on va monter un petit peu, du coup, son social, et puis on va essayer de monter un peu son charisme aussi, vu qu'on en a besoin pour le boulot et les promos, et qu'on n'a pas le droit d'avoir des glaces à la maison, et qu'on n'a pas de femme à qui, grâce à qui faire monter son charisme, donc on va se débrouiller avec des inconnus venus de loin. Voilà, on va monter le social au maximum, ça sera cette fée. Bon, bah sur cet échec cuisant de la Sim7 qui s'en va, on va retourner à la maison. Et je vais donc envoyer Angelo se coucher. Ce sera la fin de cette vidéo parce que vous l'entendez sûrement, il s'avère que il y a des gens qui tondent la pelouse sous ma fenêtre. Voilà, donc moi je l'entends fort, je pense que vous aussi. De toutes les façons, on arrive au bout de la vidéo. J'ai l'impression de tourner en rond, on a fait que chercher, enfin, des promos et chercher un PNJ introuvable, donc voilà, c'est toujours la même chose. Je commence à désespérer, vraiment, et puis bah écoutez, j'espère qu'on aura plus de chance dans le prochain épisode, parce que là, tous les épisodes se suivent et se ressemblent, la seule chose qui marche, c'est sa carrière. Voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis, on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement. Ciao tout le monde !